je pense que je suis arrivé à une fin de cycle. J'ai fait 3 saisons à Nanterre, 3 belles saisons. On a rempli les objectifs du club, ce qui était de monter en Pro A et le maintien. Donc moi je ressens maintenant que j'ai besoin d'aller chercher un nouveau challenge autre part et recommencer quelque chose de nouveau. Ouais, Lille, ça a été une décision très réfléchie. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis en contact avec eux, bon, indirectement, mais voilà, j'ai évolué là-bas quand j'étais en minime, donc c'est sûr qu'ils ont, suivi mon parcours et moi j'ai suivi le leur. Donc Lille, ouais, c'est une décision que j'ai prise par rapport à ça et par rapport à, voilà, à ma famille aussi qui se trouve là-bas. Je pense que je peux évoluer dans de bonnes conditions. Et le projet du club aussi m'intéresse. C'est un club qui est monté en Pro B, qui a fait des belles saisons. Bon, ils n'ont pas été en play-off la saison dernière, mais voilà, je pense qu'il y a des belles ambitions. Et pour les années futures, je pense que c'est un club qui pourrait évoluer en Pro A. C'est une belle ville. Et voilà, moi je sais que je me sentirai bien là-bas. Il y aura ma famille, mes amis. C'est là-bas que j'ai grandi. Donc je pense que ça a beaucoup joué sur ma décision. Son choix est en cohérence avec la personnalité qui dégage. Et en tous les cas, c'était important pour moi de lui rendre un hommage. Et ce que j'espère, c'est que, comme souvent dans cette période-là, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir lui rendre hommage en public à l'occasion du dernier match, parce que ce n'était pas encore tout à fait officiel. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir dans les travées du Palais des Sports. Ce que je retiens sur ces 3 saisons, franchement, c'est que du positif. Voilà, on est arrivé à la première saison, quand toute l'équipe elle a été reconstruite. C'était que des joueurs nouveaux et on a réussi à construire quelque chose de fort. Et il y avait une belle affinité entre les joueurs. Ça, c'est franchement, ça je retiens. Ça, c'est important, surtout à Nanterre, quoi. Voilà, on était une belle bande de potes, on se connaissait pas au début, on a appris à se connaître et ça a été très vite. Et moi je retiens ça, c'est du positif, on est monté en Pro A, on a réussi à maintenir le club, on était à un match de jouer les playoffs, donc franchement je retiens que du bien et même si je quitte le club, c'est pour moi c'était une belle aventure et j'ai rien contre Nanterre, Nanterre n'a rien contre moi, c'est pas un conflit, c'est juste que j'ai besoin d'aller vers un autre objectif et voilà, de recommencer un nouveau départ. C'est un basketteur qui a grandi avec Nanterre, qui est arrivé de Gravelines après une saison blanche en Pro A, à qui j'ai confié des responsabilités très importantes malgré son jeune âge. Et puis qui nous a bien rendu la confiance qu'on lui avait apportée. Et j'ai toujours une relation particulière avec lui parce que c'est un garçon qui a une grande sensibilité, qui à la fois donne tout sur le terrain, et puis son style de jeu fait de vitesse, de spontanéité, m'a toujours bien plu. De supporter Nanterre jusqu'au bout, de rester les mêmes. Franchement, moi, j'ai apprécié les côtoyer pendant 3 ans. Je pense que dans le sens inverse aussi. Donc voilà, j'ai toujours laissé une bonne image de moi. Ils ont toujours laissé une bonne image d'eux aussi. Donc voilà, ils m'ont apprécié, je les ai appréciés. J'espère qu'ils continueront à supporter l'équipe comme ils le font. Et je pense que Nanterre aura besoin d'eux dans les années futures, les années à venir. En dehors du terrain, un garçon charmant qui vraiment a marqué l'histoire du club par sa gentillesse, par sa disponibilité auprès de tout le monde, auprès des dirigeants, auprès des bénévoles, qui a toujours été vraiment un garçon très agréable. Que ça se passe comme à Nanterre. Et ouais, que du bien. J'espère que, même si je sais que
Beaucoup de personnes sont déçues de mon départ, mais j'espère qu'ils m'en veulent pas, j'espère qu'ils me souhaitent du bien. Et voilà, j'espère qu'ils n'auront pas de pensée négative à mon sujet. Je lui souhaite bonne chance, beaucoup de réussite, et puis ça sera toujours un plaisir de le revoir, et j'oublierai pas tout ce qu'il a apporté au club.